Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Emmanuel et je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Donc je suis quelque part au nord de Madrid, dans le parc naturel del Barranco del Río Dulce, un endroit très calme, vraiment très nature. Ça fait beaucoup de bien, on voit des rapaces, on entend quelques chevreuils au loin. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mon point de vue sur un mail, plusieurs mails en fait que j'ai reçus en me disant, bah, voilà, ta méthode Carmali me semble vraiment intéressante, mais je préfère être dans un cabinet en one-to-one, hein, avec quelqu'un direct pour m'accompagner. Et donc, je suis vraiment d'accord, je comprends. Ce qui est important, c'est de vous écouter. Et si vous préférez être dans un cabinet avec quelqu'un, avec un thérapeute, un praticien, surtout écoutez-vous et allez-y. La méthode Carmali n'est pas là pour remplacer un thérapeute, absolument pas. Par contre, elle peut être complémentaire, au sens que dans le protocole, il est vraiment fait pour que vous puissiez faire ça en totale autonomie sur des mémoires dont vous pouvez nettoyer seul. Ce qu'on appelle des mémoires nettoyables en auto-guérison. Et non pas des mémoires qui, justement, nécessitent un thérapeute. Donc, c'est complémentaire au sens que vous pouvez continuer et vous devez continuer le travail avec un thérapeute, avec un accompagnement qui va avoir un regard extérieur bienveillant sur vous. Et il va peut-être y arriver un moment dans votre parcours spirituel, vous allez tellement nettoyer une mémoire karmique avec un thérapeute que vous allez vous sentir à l'aise avec ça et vous allez dire, bon, ok, peut-être qu'il y en a certaines que je peux faire tout seul maintenant. Et c'est à ce moment-là où le protocole Karmali peut être intéressant, sur celles qui sont plus légères, où vous vous sentez apte pour les faire, où il ne va pas y avoir de blocage particulier. Hein, et donc, vraiment, c'est en ce sens-là que je l'ai fait, ce protocole. C'est, il n'y a pas de blocage. C'est-à-dire que ne remonte pas à la surface, à la conscience, les mémoires où il va y avoir un blocage, où il va y avoir besoin d'une tierce personne et notamment d'un praticien pour débloquer la situation. C'est la première intention qui a été posée et qui est fondamentale dans l'élaboration de ce protocole et que vous répétez à chaque fois que vous utilisez ce protocole. D'accord? Vraiment pour que ce soit en relation avec une mémoire en auto-guérison, en auto-nettoyage. C'est-à-dire que vous pouvez le faire seul. Ça veut. Et donc à ce moment-là, ça devient vraiment quelque chose de complémentaire que vous avez dans votre boîte à outils. Et quand vous sentez qu'il y a une mémoire que vous pouvez faire, paf, vous allez piocher dans le programme Karma Libre, le protocole en lien avec la mémoire qui vous correspond, sachant que vous avez 32 thématiques dedans et vous avez même un protocole, ce que j'appelle le protocole 3P, qui vous permet de créer votre propre protocole en fonction de votre problématique particulière, spécifique. Un autre point que voilà dont je dois vous parler par rapport à cette notion de être avec un thérapeute ou sans thérapeute, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux. C'est que à un moment, justement, si vous commencez à vous mettre en autonomie sur certaines mémoires, à vous tester, vous allez faire énormément d'économies financières, d'accord? Puisque à chaque fois que vous avez une mémoire karmique à nettoyer, vous allez aller voir un thérapeute et vous allez faire une séance. Donc le prix de la séance va varier entre 40 et 70 euros, c'est à peu près les prix moyens. Et quelqu'un qui est compétent va pouvoir nettoyer entre une et cinq mémoires en une séance, maximum 5, généralement. Et donc là, vous allez pouvoir nettoyer des dizaines de mémoires avec la méthode Karma Libre en autonomie, quand vous allez vous sentir prêt à le faire en autonomie, sachant qu'au début, vous êtes également accompagné, hein, puisqu'il y a un support également dans le programme Karma Libre, où on répond à vos questions, vous pouvez échanger avec les autres membres de la communauté. Aujourd'hui, il y a plus de 2500 personnes, hein, et donc vous soutenir et partager vos expériences. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça vous permet également de faire de grandes économies, puisque vous allez acheter le pack une fois, voilà, disons pour le prix de moins de deux séances et un peu plus d'une séance, hein, le prix. Et après, c'est fini. Vous avez l'outil et vous n'avez plus besoin de revenir. Donc à ce moment-là, les économies que vous allez faire sur les mémoires que vous allez faire en autonomie, en auto-guérison, vous permettent d'avoir un capital un peu plus important, faire des économies justement pour aller faire des séances avec des thérapeutes un peu plus approfondies, un peu plus profondes, qui vont demander un peu plus d'engagement. Pour mettre en lumière cette notion-là, c'est quelque chose qui est complémentaire. N'arrêtez pas les soins avec vos thérapeutes et vos praticiens. Surtout pas, c'est très important. Ça, on a toujours besoin d'un accompagnement. Mais il se peut que vous avez commencé à avoir un peu de bouteille, un peu d'habitude dans le développement personnel, dans le développement spirituel, et que vous, à un moment, vous allez vous sentir capable de faire certaines mémoires seul. Et à ce moment-là, le protocole est vraiment utile
Et c'est à ce moment-là qu'il vient prendre toute sa place, toute sa fonction, toute sa force, je dirais. Voilà, c'est quelque chose qui est complémentaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Comme vous le voyez, il est... Non, vous ne voyez pas, mais le soleil tape déjà fort. J'ai les yeux qui plissent. Il est 11h30 ici. La météo est superbe. Mais c'est pour ça que j'ai les yeux un peu fermés, que je ne peux pas vous regarder complètement. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de votre lumière et je vous dis à très bientôt.